On va parler de Noël Le Graët, le comité exécutif de la Fédération française de foot qui se réunit ce matin. C'est le seul organe qui puisse pousser Noël Le Graët vers la sortie. Mais est-ce que les 14 membres de ce COMEX en ont l'intention ? À l'heure où on se parle, je n'en sais strictement rien. Hier, le seul qui se soit exprimé à la suite des propos déplacés du président, Monsieur Éric Borghini, lui-même avocat de formation, ne nous a pas éclairé là-dessus. En tout état de cause, Apolline, il faut rappeler quand même que le football et la Fédération française de football, comme la FIFA, ce sont des organes où les gens qui y gravitent, y grenouillent depuis des années et des années, considèrent qu'ils sont un état dans l'état. Vous l'avez remarqué, Apolline, oui. La FIFA est parfois plus forte qu'un état. Elle ne souhaite pas que l'on s'immisce dans les problèmes du football, tout simplement parce qu'elle n'a pas envie d'être contrôlée, elle n'a pas envie d'être surveillée. Donc ces gens-là ont le sentiment d'être libres de tout Ils ont ce sentiment, mais dans les faits, c'est pas qu'un sentiment, parce que c'est vrai que c'est frappant quand même de voir que depuis 24 heures, il n'y a pas une voix pour défendre Noël Le Graët. Tout le monde est outré. Les joueurs eux-mêmes, qui sont quand même ceux sur qui il faut compter, ne reconnaissent pas, quand on entend les propos à la fois d'Hugo Lloris ou de Kylian Mbappé, bien sûr. Il y a une seule voix qui manque, peut-être, c'est celle de Didier Deschamps. Oui, qui a une situation particulière. C'est la première fois. Et quand je vous dis que c'est quand même c'est guignol, c'est un état dans l'état. C'est la première fois que c'est le salarié lui-même qui annonce devant l'Assemblée générale ou l'Assemblée fédérale, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, que son patron a eu la gentillesse de le prolonger 4 ans, au-delà même du mandat qui lui est accordé. Voyez, on fait sa petite cuisine entre soi. Et aujourd'hui, honnêtement, Apolline, quelle image. S'il était normalement constitué le président de la Fédération française de football, il partirait. Il partirait, bien sûr. Mais il n'est pas normalement constitué. Ouais, c'est ça. Dans sa boîte crânienne, il n'a pas du tout le raisonnement moral, je dirais pas juridique, parce que juridiquement il peut rester, genre, c'est pas un problème, mais il n'a pas le comportement moral d'une personne normale.